Alors Julie, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la vitrine, hein, ça c'est important, on a dit c'est le reflet finalement de l'agence, etc. Mais le parcours client ne s'arrête pas là, parce que dès que le client va franchir justement la porte de l'agence, il faut qu'il retrouve un petit peu les mêmes codes, c'est bien ça? Effectivement Romain, c'est extrêmement important que la communication sur le savoir-faire de l'agent immobilier ne s'arrête pas à la vitrine, mais se prolonge à l'intérieur de l'agence. Il faut que le parcours client dans l'agence soit extrêmement clair, soit simple à comprendre, qu'il y ait des espaces clés avec des bons messages bien pensés. C'est important d'avoir un espace d'accueil qui soit marqué, dans lequel on va continuer à expliquer aux clients les fondamentaux, les valeurs et les services de l'agence, éventuellement proposer des photos, des présentations, des descriptifs des membres de l'équipe. Il faut ensuite accorder un soin particulier aux espaces pour les signatures de contrats, où on peut remettre en avant des différents contenus comme les avis clients, des verbatims, des expériences, les notations clients. Il faut aussi pouvoir mettre en avant tous les services complémentaires qu'on va pouvoir diffuser de façon subtile aux prospects, principalement des vendeurs, pour transformer un mandat simple en mandat exclusif. Alors, ce que tu dis, Julie, là, c'est très important parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confrères qui voudraient passer ce genre de message, mais qui ne savent pas trop comment le réaliser, puis surtout qui n'en voient pas l'intérêt et qui se disent même, c'est un peu prétentieux, on va parler de soi, c'est toujours délicat, hein, on ne sait pas justement dans quel sens mettre tout ça en ordre. Je crois qu'il faut qu'on leur dise aujourd'hui qu'il n'y a rien de prétentieux dans tout ça. Au contraire, c'est des messages qui sont positifs, ça vient rassurer les prospects, ça valorise aussi l'équipe. Je crois que c'est très simple à mettre en place et qu'il faut toujours être dans un système finalement de proximité, on est d'accord? Exactement, c'est extrêmement important pour les clients, c'est extrêmement important aussi pour les membres de l'équipe. Il n'y a absolument rien de prétentieux ou d'arrogant à mettre en avant son savoir-faire, ses services, son offre, à expliquer pourquoi on offre quelque chose de complémentaire aux clients. Et puis si jamais on a un doute sur la façon de faire, sur le fond ou sur la forme, on peut tout à fait s'accompagner d'un professionnel de la communication. Ouais, tout simplement. On va voir les pros, on s'entoure, on écoute et on fait. Exactement.